les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Sylvain. Sylvain fut évêque de Gaza. Il fut un homme très doux. Pour sa foi, il a été condamné aux mines avec 40 autres chrétiens. Il eut un œil arraché et un pied brûlé par le fer rougi. Quand les persécuteurs ont vu qu'il ne servait à rien en raison de son état physique, ils le décapitèrent. La chronique de la vie de Saint Sylvain nous dit ceci. Nulle œuvre de charité ne lui fut étrangère, et avec des biens périssables, il sut acquérir ce bien préférable de la vie éternelle. Ses pénitences furent effrayantes. On nous dit également qu'au moment de sa mort, il avertit ceux qui l'entouraient d'avoir toujours dans leurs pensées le jour de leur mort, de fuir le péché et d'avancer saintement dans les sentiers de la vie. Saint Sylvain, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Sylvain, Sylviane, Sylvaine. C'était votre émission, ton saint patron te parle. À demain. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.